Alors bonjour à nouveau mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente où je parlais de comment se libérer des peurs. Et voilà, on va revenir sur ce sujet, approfondir un peu plus et voir comment le yoga peut nous permettre d'aller au-delà, même si, ma foi, la peur, c'est inhérent à notre condition d'être ordinaire, en tout cas quand on expérimente une vie d'être humain sur un plan totalement ordinaire. On va voir comment le yoga peut nous aider à dépasser tout ça. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous savez que de cette manière, vous rejoignez une communauté de plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer, d'ancrer une philosophie de vie vraiment solide pour expérimenter plus de bonheur au quotidien, pour vivre plus en paix, plus en harmonie avec leur environnement. Donc abonnez-vous, vous aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Et de cette manière, vous serez mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà, ceci étant dit, donc, on va continuer. Donc je vous avais expliqué effectivement que les peurs, les sentiments d'insécurité, toutes ces choses-là, bien, en fait, c'est des choses qui n'existent pas vraiment, que l'on a créées soi-même, mais que ces processus de création, bon, ils sont assez difficiles à analyser, et à un tel point que dans une vie aussi vaste que puisse être la nôtre, hein, on ne sait pas bien quand finalement ça a commencé ni quand ça termine. Bien, c'est assez difficile de retrouver le fil conducteur, de savoir comment tout ça, ça s'est créé, quoi. Alors, comment le yoga, justement, peut nous permettre de dépasser tout ça? C'est-à-dire que dans notre situation ordinaire, dans notre expérience de vie ordinaire, eh bien, on s'identifie complètement à son corps, on s'identifie complètement à son mental, et tant que c'est comme ça, eh bien, on est soumis à la peur, on est soumis à l'insécurité, c'est inévitable. Voilà. Alors, à différents niveaux, c'est vrai, selon les individus, il y a des gens qui sont plus ou moins marqués par ces sentiments de peur, d'insécurité, mais chez tout le monde, qui que l'on soit, il n'y a pas d'histoire à se raconter là-dessus, si on regarde bien les choses en face, à un moment ou à un autre, on se retrouve dans une situation où on ressent ça profondément. Alors, évidemment, dans certaines circonstances, et tant que tout va bien, puisque parfois, on a des tranches de vie où tout va bien, où il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de remise en cause majeure, on bénéficie de conditions de vie vraiment agréables et on peut oublier que la peur est là. On peut se dire que tout va bien et que non, nous, on n'est pas soumis à la peur. Nous, on n'est pas soumis à ces sentiments d'insécurité. Mais la vie, par définition, c'est une succession d'expériences et ces expériences ne sont pas toujours les mêmes. Et parfois, la vie nous rattrape et nous met face à ce qu'on appelle, de manière ordinaire, des épreuves. Et quand la vie nous rattrape, bien là, on voit bien que la peur est là. On voit bien qu'on peut ressentir, on peut avoir ces sentiments d'insécurité. Et c'est seulement quand on commence vraiment à expérimenter le soi au sens profond, au-delà des limites du corps et du mental, qu'on peut vivre une vraie expérience spirituelle, autrement dit, qu'on peut se libérer donc de ces sentiments de peur et d'insécurité. Alors, une telle expérience spirituelle, quand je parle d'une telle expérience spirituelle, évidemment, je ne parle pas de se rendre tous les jours ou toutes les semaines au temple, à l'église, à la mosquée ou que sais-je encore. Je ne parle pas de réciter telle ou telle prière, parce que 99% des prières, en fait, c'est soit demander quelque chose, soit demander une protection, soit demander une attention. Donc tout ça, ça n'a rien de spirituel. Ça, c'est du dogmatisme. C'est juste fait pour se rassurer. C'est juste fait pour, justement, échapper à tous ces sentiments de peur, d'insécurité. C'est vraiment fait pour se rassurer. C'est juste pour répondre à quelque chose de purement instinctif, un instinct de survie. Hein? Si la prière, c'est juste s'en remettre à quelque chose de particulier, hein, ça veut dire qu'on respecte quelque chose de particulier plus que le reste, d'ailleurs. Là aussi, c'est encore créer une fragmentation, et donc c'est encore source de conflits internes, puis conflits avec notre environnement. Alors, si on prie le divin pour vraiment devenir divin, c'est-à-dire développer des qualités divines. Bon, ça c'est très bien, mais si on prie juste pour notre survie, oui, encore une fois, c'est du dogme, c'est... Allez, je me lance. Ouais, c'est une forme de stupidité, on dirait, parce que, regardez, bon, même les insectes, même les vers, les larves,
eux savent très bien lutter pour leur survie, prendre soin de leur survie, aussi bien que nous, quoi. Hein, quand je dis spirituel, je parle de cette dimension où on commence à expérimenter les choses au-delà du physique, au-delà du mental. Et là, quand vraiment on dépasse ces plans et qu'on se place d'un autre point de vue, qu'on se place vraiment du point de vue de notre âme et qu'on observe tout ça tel un spectacle qui est complètement illusoire, mais là, la peur, elle s'évanouit naturellement. Hein. Donc encore une fois, la peur, c'est juste une création du mental. Ça révèle qu'il y a un mental qui est là, qui est complètement fragmenté, saturé de pensées, et qui est complètement hors de contrôle, et qui part dans tous les sens, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on a besoin de faire, comment se libérer de nos peurs, ben, on a besoin simplement de reprendre le contrôle, de voir comment ce mental fonctionne, et petit à petit de l'apprivoiser, et petit à petit reprendre le contrôle. Voilà. Ça se fait étape après étape. Le chemin pour vous amener à ça, bien sûr, c'est le chemin de la méditation. Donc, je vous engage à vous intéresser à ce sujet. Vous pouvez commencer d'ailleurs par télécharger donc cette méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît là. De cette manière, vous êtes redirigé vers une autre page où vous avez juste votre prénom à indiquer, votre adresse email. Ensuite, vous avez un lien sur lequel vous devez valider. Et vous recevez naturellement donc cette méthode. Ça vous offrira de premiers éclairages intéressants pour vous familiariser avec la méditation. Et ensuite, bien sûr, je ne peux que vous encourager à vous intéresser au cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, à travers lequel beaucoup de personnes ont vu leur vie se transformer. Vraiment, c'est vraiment une expérience de transformation personnelle unique. C'est vraiment l'expérience d'une vie, comme le disait par exemple Salima, une dernière participante. Elle parlait de l'expérience d'une vie, mais vraiment, je pense qu'elle a raison, parce que c'est tellement fondamental, ça peut tellement tout changer. Donc, intéressez-vous donc à ce cycle de formation. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'allais dire, je vous dis à bientôt pour une vie nouvelle. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais je vous dis à bientôt aussi pour la suite, pour les nouvelles vidéos. Merci de votre fidélité et à bientôt, mes amis. Au revoir.